Et salut à tous, c'est Exam, on se retrouve pour une nouvelle VOD de cette redécouverte du remake de Demon's Souls. Voilà, je me suis laissé pervertir par le chat. On va envahir d'autres joueurs en se transformant en boss de ce niveau, en espérant évidemment qu'il y ait des gens qui y soient. Parce que c'est pas dit, hein. Il n'y a pas encore non plus des milliers de gens qui ont la PlayStation 5. Mais si ça marche, pourquoi pas? On verra. L'invasion a échoué, merde. Bon, ça se trouve, ça sera une VOD où ça marche pas, hein, mais... Non, non, elle est toujours pas sortie dans le reste du monde. Lynn, ça me sort demain. La pierre bleue, c'est pas pour les aider? Ouais, la pierre bleue, c'est la coop, on est d'accord. Merde. Non, c'est pas grave. On va aller visiter la zone en pur blanc et je reviendrai après. Salut, Shayulud. Exactement pareil, Hardy. Salut, Burrito, Penguin. Merci beaucoup. Comment on fait pour y aller déjà? C'est là ou c'est de l'autre côté? Je sais plus comment on y va voir Riddle. Merde. Début d'une VOD, on va dire. Ça compte. Et donc, est-ce que vous vous souvenez comment on fait pour y aller à Riddle? Je me rappelle plus, moi, si c'est par là ou si c'est autre chose. Je crois, oui, Burrito Penguin. Je crois que c'est la même chose que pour un sub normal, c'est-à-dire, je sais pas, peut-être 2$ ou un truc comme ça. Donc, c'est très sympathique à quoi. Si tu utilises la sombre, tu en viras dans le niveau sans être le boss. Et donc, pour envahir et être le boss, il faut être bleu. Ça n'a aucun sens. Ouais, j'ai un doute aussi sur le chemin, on va voir. Parce que là, c'est pour libérer machin chose. Si, je crois que c'est là. D'accord, peu importe la pierre utilisée, tu peux devenir le moine. Merci beaucoup, Blaydu. C'est ici, là. En fait, j'ai le choix de descendre pour continuer le jeu, et sinon, c'est ici.
D'accord, n'importe quelle pierre, c'est pareil. Oui, merci. Merci, âme noble. Prenez soin de cette... Oh. Ouais, donc on a la bague du rat. Et donc là, ici, normalement... Bah... Ah bah je suis plus en pur blanc. Bon bah j'ai rien dit. Du coup je peux utiliser une archipierre et retester. Avec la archipierre. Non. Je suis à 8 ou 9 heures de jeu, là, ouais, un truc comme ça. Putain, j'ai 400 dégâts. C'est 18 en intelligence, juste pour avoir garde, mais ça pourrait me servir. Non, je vais prendre de la vie. Ça vous suffit ? Ça va. Allez, on retente. Ah oui, là j'ai mis mon... Ça serait cool que ça marche, hein. Il n'y a pas des gens qui sont en train de le streamer le jeu, on peut pas vérifier. Non. Non, ouais. J'ai pas l'impression qu'il y ait des gens qui soient assez avancés dans le jeu. On essaiera demain. Qu'est-ce que vous en pensez? Demain, la console, elle sort, il y aura peut-être des gens. Hein. De toute façon, on refera plus tard. Hein. Donc, on a fini ce monde-là. Ça, c'est bon. Donc le monde 2 c'est bon, le monde 1 c'est pas fini, il me reste le monde 5, monde 4 aussi. Quelle heure il se fait? Minuit, bon on va continuer encore un petit peu mais je vais pas tout finir. Je vais aller faire le monde 4. On gardera le monde 5 pour la fin. Yeah.
m'en doutais. Je m'en doutais, mais bon. On peut essayer d'envahir la zone 1. Je pense que je serai trop haut niveau, non? Mais on peut essayer, fais voir. Est-ce que ça marche ici? Ah, regardez, il y a quelqu'un là. On va peut-être pouvoir l'envahir. Ouais, si tu meurs en forme humaine, tu pourris ta run. Tu pourras plus jamais le faire. C'est le concept, hein. Il faudra commencer une run, kayak. Ah, j'ai pas pu récupérer la Dragon Bones, machin. Non, 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 ça a toujours été dans le moveset de cette arme-là. En fait, c'est après roulade quand t'as l'arme à deux mains. Ouais, c'est ça, faut jamais jouer en humain si tu veux pas toucher les tendances, et il faut jouer hors ligne, hein, c'est important. Bon, on va attendre ici. Putain, ce serait trop bien de réussir à envahir là quand même. Ça change des zones en fait. À certaines zones. Je suis peut-être trop haut level, hein. C'est possible. Hein. C'est possible que je sois un peu haut level. Putain, le bruit des trucs, c'est top. C'est top, c'est top. Incroyable ce jeu. Le 1-3, je peux peut-être essayer le 1-3, ouais. Non, là je suis en ligne, donc de toute façon les tendances, oubliez. Réfléchissez pas aux tendances vu que je joue en ligne. Plus ou moins 10 par rapport à ton niveau. Je suis niveau 50. Ça veut dire des gens niveau 40. Peut-être beaucoup, ouais. Peut-être plutôt dans le 1-3. On va essayer ça. Si t'es en ligne, en fait, pour les tendances, c'est la somme des actions de tous les joueurs et joueuses du monde. Enfin, du serveur, hein, qui détermine... Parce que regardez, il est là, lui. Il est en train de farmer, là. Je te vois, hein. Tout le monde influence dessus en fait. Ce qui fait que globalement, comme tout le monde tue des ennemis plus que ce qu'ils meurent eux, aussi bizarre que ça puisse paraître, ils meurent plus en mode fantôme qu'en mode vivant. Du coup, la tendance a tendance justement à être blanche quand on joue en ligne. Mais ça vaut pas le coup, il faut jouer hors ligne. C'était dans le 4 ans, hein, les arènes Hardy. Si, si, c'est très gérable, c'est juste qu'il faut pas jouer en ligne, faut jouer hors ligne. Au début du jeu, tu choisis hors ligne et puis c'est tout, quoi. Voir le 4-1. Je pense pas hein, que ça marche, mais à mon avis, y a personne pour l'instant qui fait du PVP ici.
pas oublier que y a pas tant de gens qui ont la console que ça. Hein. Ah, en ligne, ouais, c'est ingérable. Meuf là à essayer. Attends, on va aller retourner au niveau 1, on va peut-être essayer dans le 1-3, je pense. Pourquoi je peux pas? What? Je peux peut-être essayer sinon de proposer ma marque pour aider des joueurs. Ça marche aussi ça. C'est le boss, la tour, à mon avis, il y a pas mal de monde qui va essayer de le tuer, ça. On peut changer de monde sans avoir besoin de revenir en Nexus. T'es sûr de toi, là? Putain, c'est cool, ça, cette idée. Attends, je vais aller tester. Ah, merde. Ah bah oui. Attends, je vais aller tester son histoire. C'est incroyable. Mais oui, mais c'est trop malin. Merci Paul. Si ça lag pas trop, ça pourrait être sympa de temps en temps de faire un peu de PvP. Voilà. Je dis ça, peut-être que ça va me saouler hein, au bout de 5 minutes, mais... Bon. On va essayer autre chose. À bientôt, Pléiade. Ah oui, bah oui, j'ai essayé d'envahir dans la salle du boss, c'est pas possible. On sait jamais, Akuma. On sait jamais. Sinon tant pis, hein. Je vais aller faire quoi? Bah oui, je sais. Parce que j'ai quand même bien avancé, non? Ciao Marco. De toute façon, je recommence demain matin, hein, donc... Parce que je fais le niveau 5 vite fait. Niveau 4.
On va aller faire 4-2. On sait jamais, on ne sait jamais. Aucune idée, Xanto. Il l'est, Skell. Il l'est complètement. En plus, mode photo. Bon. Petit ratage. Ah non, mais le sound design il est ouf. Hein. Ah, ça change de zone ici? D'accord. C'était calculé. C'était pas du 1 PV. Vous croyez, mais en fait non. Ok. Elle est incroyable. À bientôt, Snoozy.
Allez, alors on va essayer de pas se faire troller par le Reaper. Juste, hein. C'était supra juste. Ça s'appelle toujours un truc blanc qui colle, c'est bon. Les gens seront ravis. Le chat en délire. C'est beau, bordel. Se faire son épée. Hein. Coucou Diane. Je suis en 4K. C'est donne ce qu'elle est, mais c'est de la 4K. Non mais c'est un remake, c'est pas une version pour les gens qui ont déjà fait le jeu en fait. C'est pour ça qu'ils ont pas refait les boss. C'est pas grave. C'est le même comportement que... Non mais c'est fait exprès, hein. Si vous jouez sans le... Si vous jouez sans l'anneau, c'est pas la même, hein. Je fais pas de bruit, donc vu qu'il est déjà aveugle, si en plus je fais pas de bruit, c'est pas pour l'aider, hein.
Ah bah c'est sûr qu'en termes de on va dire de complexité, les boss de Demon's Souls, c'est pas les. C'est pas les plus fous, mais en fait tu t'en fous quoi. C'est pour ça, hein, moi j'ai toujours dit, hein, Dark Souls 3, c'est le plus abouti. Hein. Elle en peut plus de vibrer. Cette mise en scène de débilos. Avec le chat qui... La mise en scène là, et en rajoutant les éclairs et tout, ça rajoute un truc tellement dramatique. Oh la musique! Non, non, l'inventaire met pas le jeu en pause. Ha ha ha!
Putain, alors ça c'est du SFX, hein. Oufissime. C'est là que tu te dis que c'était déjà un boss qui était incroyable. Et qu'il lui fallait, tu vois, un truc visuel qui était taré, quoi. Putain, mais cet effet spécial, hein. Je le regarde depuis tout à l'heure, là. Le SFX, il est dingo, regardez. Regardez, j'avais pas vu. Oh. Métier, SFX. Taré. Ah, ça rend bien même comme ça, hein. Oh, le bruit! Ah oui, mon petit mode été, il est sympa, hein? Je
Je l'avais dit. Merde. Avec les couleurs normales, c'est peut-être sympa quand même. Ah ouais, ça c'est... Tu sais même pas ce qui se passe. Tu comprends même pas ce qui se passe, quoi. C'est taré. Cool. T'as un mon chat? J'arrive en fond de jeu. Hop. Bon, bah on a fini ça. Écoutez, ouais, il est 1h. On va être sérieux, je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. Beaucoup d'esbrouffes. Ah, il y a des chances que ça soit le Gotti, ouais. Putain, ça va être fifou, hein. Allez, on va en rester là pour ce soir. Merci beaucoup de m'avoir suivi toute la journée. On recommence demain, hein. Demain matin, on continuera. Et puis, il restera tout le monde 5 à faire, qui va être évidemment horrible. Et la fin du monde, hein, comme d'habitude, hein. On finira là-dessus. Donc on finira ça demain, je pense, peut-être même demain matin, selon l'énergie que j'ai. Et puis... Je vous fais des bisous, c'est toujours aussi ouf. Passez une très bonne soirée et à bientôt les gens sur YouTube. Ciao !